À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Ils font semblant comme s'il y a un objectif ennemi devant. Vous voyez, ils débarquent, ils essaient de fixer l'objectif. L'autre section vient les porter appui. Maintenant, eux embarquent pour marcher sur l'objectif. Tandis que l'autre section qui est partie à gauche va se mettre maintenant à tirer. Ouais. Cette offensive-là n'a pas fait de victimes, mais l'armée a hâte de prendre sa revanche après la débâcle du printemps. Les soldats se préparent comme ils le peuvent dans ces territoires semi-désertiques de la région de Mopti, à la frontière des zones contrôlées par les islamistes. Il ne manque pas d'allants, mais de matériel et d'organisation. Les militaires viennent de limoger le Premier ministre. Ils n'hésitent pas non plus à imputer aux politiques la responsabilité de leur défaite.